les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel les gars, moi je me suis habillé en petit, avec un petit caban, un petit col roulé. Voilà, classe, on est là. Aujourd'hui les gars, vous avez dû voir au titre, Franck Griot s'est abonné à ma chaîne Instagram, à ma page Instagram, c'est mieux comme ça. Alors on va venir un peu sur la vie de Franck Griot un peu plus tard, enfin dans la vidéo. En attendant, j'aimerais vous présenter Franck Griot, c'est un acteur américain, hein, il a joué dans plein de films, American Nightmare 2, 3, il a fait plein de films. On va venir à ses films après. Je veux juste vous montrer son Instagram. Donc son Instagram c'est Franck Griot 1, il est certifié bien évidemment, il a 267 000 abonnés sur Instagram. Bref, il poste plein de photos, des vidéos, il fait du sport, il fait de la boxe, ce que moi j'aime faire en ce moment même. Je me suis mis à fond dans la boxe, à fond dans la muscu, c'est carré gros. Et c'est aussi officiel, j'ai arrêté le football, je me suis mis à la boxe, tout simplement parce que mon père il faisait de la boxe à mon âge, et bah voilà, j'ai envie de faire de la boxe comme lui. Bref, ça c'est son Instagram, si vous voulez aller jeter un coup d'œil, allez-y, abonnez-vous à sa petite page Instagram, on est là. Et là on va venir sur une autre histoire. Bref, quand j'étais petit, j'avais déjà dit dans une vidéo, je sais plus c'était quelle vidéo, je crois que je parlais des acteurs, le top 5 de mes acteurs préférés ou je ne sais plus quoi. Bref, Franck Griot, sachez-le, c'est mon plus grand rêve, et j'aimerais trop le rencontrer, discuter avec, même si je sais pas trop parler anglais. Bref, j'aimerais bien discuter avec, c'est mon rêve de le voir, c'est mon plus grand rêve. Retenez bien ça, Franck Griot, c'est mon rêve de le rencontrer, tout simplement. Bref, quand j'avais 13-14 ans, un truc comme ça, j'avais créé un compte fan sur Instagram. C'était Franck Griot Team, si je dis pas de bêtises. On va regarder directement. Attendez, Franck Griot Team. Voilà, donc là on est sur mon compte que j'avais créé à moi, et j'ai remarqué qu'il me suivait. Genre il y a quelques temps, j'ai recommencé à regarder ses films et tout, donc je me suis dit pourquoi pas aller dessus. Et c'est marqué quoi juste ici? Franck Griot 1 est abonné, vous suit. Donc j'étais tellement content. Je l'ai découvert pendant les vacances. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé au maximum, vraiment au maximum, de retrouver tous mes mots de passe, mais j'ai pas retrouvé mes mots de passe, j'ai le seum. Du coup, je vais encore continuer à chercher et tout, mais franchement, j'ai vraiment le seum. Vraiment, vous savez pas à quel point j'ai tellement le seum. Bref, on regarde les abonnements et tout, enfin tous ceux qui sont abonnés. Donc ça c'est tous les abonnés et tout, j'en ai pas énormément, j'en ai que 214, mais voilà, Franck Griot Team. Franck Griot Team, qu'est-ce que je dis? Franck Griot 1 avec la certification. On clique dessus, 267 000 abonnés, c'est bien le vrai compte et c'est bien le vrai Franck Griot. Je suis content! Au moins il a vu toutes mes publications. Du coup voilà, donc qu'est-ce que je faisais? Bah je mettais des photos de lui tout simplement, je faisais des petits montages, voilà. Je faisais des petits montages comme ça. Bref, si vous voulez aller voir, n'hésitez pas, hein. J'ai fait des petits montages et tout sur lui, j'ai rajouté des photos. Mais le pire, ce qui me fait le plus rire, c'est que j'ai essayé de parler anglais. Je mettais quoi? Je mettais une phrase en français sur Google Traduction, et je faisais copier le texte en anglais pour la mettre en légende sur les photos de mon compte fan. Voilà, family swimming pool, that is just too cool. Bref, j'avais fait tout simplement une page Insta fan, il a suivi, je suis très content. On peut voir qu'il y a mon frère qui me suit, enfin qui suivait la page, Mickey Lucas. Allez vous abonner à son petit Instagram, bref c'est cool, je suis content. Franck Griot, il a vu ma petite page fan, je suis content. On va essayer de retrouver les mots de passe. Bref, qui est Franck Griot? Franck Griot est un acteur américain qui a joué dans beaucoup de films. Il est né le 8 juin 1965. Il a actuellement 54 ans. Il est né à New York, aux États-Unis. Il fait 1m79, mais ça on s'en fout carrément. En ce moment, je suis en train de suivre sa série Kingdom. C'est une série un peu qui parle du sport de combat. C'est de l'MMA, voilà. Enfin, pas de la boxe, du MMA, quoi, tout simplement. Il y a 3 saisons. Si vous voulez aller voir la série, bah, il n'y a pas de souci. Je vous lis un peu le résumé. Un ancien champion de sport de combat, Alvi met tout son cœur à faire fonctionner une salle de combat à Venice Beach en Californie. Avec sa compagne Lisa, il fait vivre tout un quartier en permettant aux jeunes d'échapper aux gangs. Si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas, c'est parti, allez voir ça. Il a fait Fight World, ça c'est, j'ai regardé, c'est un truc de fou. En fait là, il part dans différents pays du monde. Premièrement, il part au Mexique, voir un peu les combats et tout, la boxe mexicaine, ça existe. Deuxièmement, il part en Thaïlande pour voir la boxe thaï. Troisièmement, il part en Birmanie, voir je sais plus c'est trop quoi, le free fight je crois. Non, je suis pas sûr, mais bref, si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. La quatrième, c'était le Sénégal, donc c'était de la lutte et tout ça. Enfin, c'est les Sénégalais, ils sont là pour faire de la lutte et tout, c'était super. Et la dernière destination, c'était au niveau du Krav Maga. Le Krav Maga, c'est un sport israélien, hein, du self-défense. Il est parti donc en Israël découvrir un peu tout ça. Et franchement, c'est super intéressant. C'est sur Netflix, si vous voulez aller voir, n'hésitez pas, c'est super intéressant. Moi, franchement, pour ma part, j'ai kiffé. Moi, j'ai suivi en anglais et avec quelqu'un qui parlait en audio derrière, avec la langue française. Si vous voulez regarder en anglais, bah regardez en anglais. Si vous voulez regarder en français, bah regardez en français. Mais c'est une sorte de reportage en fait. Moi, franchement, j'ai kiffé. Combien de films il a fait? Je vais vous dire ça tout de suite. Il a fait
44 films, enfin 44 participations dans des films. Donc il y a des films où il était acteur principal, il y a des films où il était un peu en retrait, on va dire comme ça. J'ai pas tout vu ces films, mais j'en ai vu vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Franchement, je me suis refait tous ces films et tout. Il a fait American Nightmare 2, American Nightmare 3. Il a fait Point Blank. Il a fait Black and Blue. J'aimerais bien le voir, je l'ai pas encore vu. Il a fait Beyond Skyline. Je l'ai vu, il est super. Captain America, bon, je l'ai déjà vu, mais je m'en rappelle plus. Faudrait que je le regarde. Wellman, disponible sur Netflix, je l'ai déjà vu. Il est super aussi. Reprisal, je l'ai déjà vu aussi. C'est un super film avec le braquage de banque. Allez le voir aussi. Le Territoire des Loups avec Liam Neeson, je l'ai vu aussi, il est super. Warrior, je l'ai pas encore vu, mais faut que je le regarde. Donnybrook, j'aimerais bien le voir aussi. Wolf Warrior 2. Mais le problème c'est que Wolf Warrior 2, et bah il est pas en français, du coup bah j'ai la flemme de le regarder en anglais. Il a fait un film d'horreur démonique, il a fait un film qui était super bien, Intersection, franchement c'était nickel. Bref, tout ça pour vous dire que Franck Riault est un super acteur, c'est mon rêve de le rencontrer, c'est mon acteur préféré, excusez-moi. Vraiment, ça fait vraiment depuis très longtemps que Franck Riault, je l'observe, son jeu d'acteur est super, il est incroyable, je kiffe. En balle, vraiment je kiffe en balle. Bref les petits potes, c'est la fin de cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de vous en parler. N'hésitez pas à aller voir tout ce que je vous ai dit sur Netflix, sur des sites streaming. N'hésitez pas, franchement c'est des bêtes de films. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et on se retrouve à très vite dans une prochaine vidéo qui sera notre thème. Allez, ciao.